bonjour, bonsoir, salut. Aujourd'hui, dans l'émission Les délicieux repas du chef Hugo Lamy, nous allons faire en exclusivité des panini pour les 200 followers sur Twitch. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est le panini? Ce n'est pas tout simplement une marque pour collectionner les albums exclusifs de joueurs de foot, mais c'est tout simplement, selon Wikipédia, un sandwich bien chaud où on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Bien sûr, plusieurs ingrédients dans ce plat qu'on peut ajouter comme par exemple du jambon, du salami ou du saucisson, accompagné avec des tomates et du fromage. Et dans ce tutoriel, nous allons faire la baby base des panini, qui est tout simplement les panini au jambon fromage. Et que bien sûr, certains peuvent ajouter du beurre pour ajouter un peu plus de goût. Après cette magnifique histoire, nous allons commencer bien sûr à présenter les ingrédients importants. Tout d'abord, il vous faut du pain de panini. Bien sûr, une baguette, vu que c'est un pain, vous pouvez en utiliser même. Bien sûr, regardez bien si les pains sont déjà coupés ou pas. Ça va être très important pour vos accessoires. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est bien sûr du jambon. Et enfin, du fromage. Comme par exemple de l'emmental. Ensuite, niveau accessoires, si par exemple les pains ne sont pas coupés, vous pouvez utiliser un couteau. Et enfin, le truc le plus important, bien sûr, une machine à panini. Bien sûr, quand vous rentrez dans un vendeur de panini, il vous montrera comme une grosse machine qui vous fera bien chauffer tous les panini. Sauf que vous pouvez acheter un tout petit truc pour faire chauffer les panini. Faites gaffe quand même à trouver la taille, parce que si vous voulez mettre 3 milliards de trucs dedans, ça va être très difficile de le faire cuire. Bien, maintenant que nous avons tout, nous pouvons commencer. Tout d'abord, il faut commencer à préparer à chauffer les plaques de chauffage pour les panini. Oh putain, j'étais pas au courant de ce bruit. Putain, c'est la troisième guerre mondiale annoncée là, putain. Bien, après cet incident, vous pouvez commencer à ouvrir le petit paquet. Souvent dans les paquets de panini, vous pouvez avoir beaucoup de pain. Comme par exemple, un grand maximum de 4. Et si par exemple vous êtes l'esclave de la nourriture pour votre famille ou votre ami, partagez-en une par une. Et ceux qui ne seront pas utilisés, vous pouvez les mettre bien enfermés dans le frigo. Ensuite, coupez bien droitement le pain pour qu'il puisse être équilibré des deux côtés. Et comme vous pouvez voir sur cette image de ce gros blaireau, il a coupé dégueulassement le pain. Ah, celle-là, c'est encore mieux. Ensuite, pour équilibrer le pain et aussi le nombre d'ingrédients qu'on va mettre dedans, nous allons faire l'habituel partage. Nous allons mettre 2 tranches de fromage et 1 tranche de jambon, qu'on coupera en 2. Ensuite, la position du fromage et du jambon va être très rigolo pour vous, sauf ceux qui ont mis quand même pas mal de fromage ou de jambon. Vous pouvez faire comme ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire fromage, jambon, et ensuite fromage, jambon. Ou alors vous pouvez faire jambon, fromage, fromage, jambon. Ou alors la sécurité, comme je l'appelle, le fromage, jambon, jambon, fromage. Car vu que le fromage va être fondu, il va pouvoir être collé sur le pain et sur les deux jambons en même temps. Après cela, vous pouvez tout simplement regrouper les deux pains pour ensuite l'emmener dans la machine. Ah putain, c'est chaud. Ah, ça va être très dur avec une caméra dans la main, mais en fait pas, c'est du professionnel. Putain, saloperie. Voilà, c'est fait. Et pendant que nous allons attendre que le premier panini se chauffe, nous allons se préparer pour prendre de la nourriture supplémentaire de notre soirée. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est prendre tout simplement du chaussée au moine. Et ensuite, une petite bouteille d'eau, ou alors une bière, ou une menthe à l'eau, bien fraîche. Allons voir si notre panini est bien chauffé. Bon, ça arrive souvent, ça, bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser votre couteau pour tout simplement vous défendre si par exemple vous devez surveiller votre panini. Car en effet, la plaque est très chaude et le pain peut être très chaud. Donc n'hésitez pas à utiliser le couteau pour vous défendre et aussi à vous protéger de vos petits doigts. Attendez encore quelques minutes et quand vous aurez la couleur un peu plus orange, vous pouvez commencer à prendre une assiette et à le récupérer grâce au couteau. Alors évidemment, pour le premier panini que j'ai dû prendre, j'ai dû galérer et j'ai dû utiliser mes doigts. Ensuite, vous pouvez commencer par la suite à prendre le second panini. Et pendant que ça se cuit, vous pouvez commencer à ranger les affaires. Bon, de toute façon, je ne mange pas ce fromage là, donc personne ne le captera qu'il est trouvé par terre.
En attendant, je peux vous recommander un autre type de panini qui est le poulet crudité tomate avec de la mayonnaise. Ah, regardez comment elle est bien cuite. Du coup, vous pouvez recommencer à prendre le couteau pour le faire sortir. Et bon, là, j'ai encore utilisé mes doigts. Après cela, éteignez la machine et n'oubliez pas de nettoyer les plaques dans un lavabo. Oui, c'est dégueulasse. Mais voilà, vous avez enfin fait vos premiers panini très classiques, mais très délicieux et très légers. Avec en plus de ça un petit chausséroman et une petite bouteille d'eau, ou alors une autre boisson ou un autre petit dessert, ça vous fera un petit doux plaisir de ce repas. Je sais pas faire Michel. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire différentes variantes de panini et à le partager dans les commentaires pour peut-être me donner des conseils pour grossir plus vite. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et à un prochain tutoriel de cuisine. Le prochain sera un tacos. Como tacos. Moi, j'aurais réussi un objectif.